Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous c'est nous grâce. Yon organisation qui en pile nous connaît dans le pays, en pile leader politique. Mais par contre, il y a deux changements qui portent, nous pouvons porter précision de changement dans l'organisation que tout le monde connaît sous nom, qui te connaît sous nos grâce. Maintenant, nous c'est nous grâce. Parce que après 9 ans d'existence, nous gagnons, nous pouvons légaliser l'organisation. Et puis pendant que nous commençons à entamer le processus de légalisation, là nous arrivons dans l'affaire sociale, nous jouons, nous disons que nous grâce qui existe déjà. Nous sommes obligés de retourner pour nous planifier entre nous. Mais nous n'avons pas nous entendre, nous te dit faut que nous grâce à exister. Parce que en pile leader politique connaît nous. Sous nous ça, la famille faut pour nous toujours exister. Et bien c'est de là étant, nous entendons, nous seulement ajoutons un préfixe pour nous qui fait nous vivre nous grâce. Ça veut dire nous passer de grâce, qui était grand rassemblement pour l'avancement social de Solino, qui nous passer à nous grâce, qui c'est nouvelle génération. Pour la restauration des activités sociales de Solino. C'est même nous-mêmes là, c'est même équipe là, qui là, a travaillé pour zone ça. Mais entre autres, nous avons mis en garde par un citoyen, qui c'est Monsieur Rico, que tout le monde connaît dans la zone à la Stipouchon, qui est ensemble avec nous, qui est coordonnateur. Nous. Qui prend le plaisir, marcher dans une série de leaders politiques sous nos organisations. Parce qu'il y a deux bagailles. L'un côté avec leader, il y a une série de bagailles. Il pense que Solino le voit bagaille là-bas. Nous-mêmes, nous là, nous ne connaissons rien. Le peuple Solino a regardé les bagailles qui ont fini, qui ont entré la caillou. Parce que nous-mêmes, nous là, nous ne connaissons rien. Je dis, mais nous là, dans le temps, pour nous dire que les bagailles sont faites que nous ne sommes pas au courant. Et vous-même, tout qui est leader politique, pas pour un citoyen, ça au sérieux parce que. Ou pour l'élection, qui compte le bras maintenant. Je dis à Solino être entre nous mais. Et nous dit plus jamais, personne ne va prendre au libre sous dos. Ben, l'État central, soi-disant l'État central, là, nous estimons, depuis 1806, il y a un couple qui fait contre les gens qui sont mal. Les gens qui sont mal, ils disent qui ça. Paysans, ouvriers, syndicalistes, policiers, tout le monde, ils ont abandonné depuis 1806. Nous-mêmes, comme jeunes garçons, nous assumons responsabilité pour nous gommer en face de l'État central là, qui pas jamais voulu voyager sous nous-mêmes, spécialement depuis Solino. Imaginons, depuis 2003, 2004, 2005, ces zones Solino, franchement, c'est une zone qui peut poser en dedans pays. C'est là qui va gagner kidnapping, c'est là qui va gagner sécurité. On va aussi mon hôpital pour vivre si nous ne pas gagner. Qui donc, nous voulons un message très clair, par la communauté internationale là tout, pour nous dire, ensemble, projet au gain, il faut qu'il y ait tout pour quartier populaire, et spécialement Solino, Fonds National, Belin, Maya et Latrier. Comment vous avez compris pour dire Solino a fait fête d'année alors que la majorité jeune jeunes dans la zone n'a pas de travail? La majorité grand monde qui là, c'est dans mon cité. Nous-mêmes, nous avons fait de bonne. Nous avons un bon combat parce que nous entamons le combat, nous entamons là, ce combat qui vous fait vie nous améliorer en dedans pays. Nous sommes jetés gros là. Surtout question gaz là. Les gens disent que c'est avenu, je ne sais pas le pouvoir. Nous pas ouais, jeunes garçons ont le pouvoir. Nous disons quoi bien dire est avenu, nous assumons ça bien la campagne des barricades nous jusqu'au bout pour un bon changement à la Commission Alliance a venu présenter à la nation haïtienne ou à la communauté nationale là, un accord typiquement haïtien qui baptisé accord global ou encore accord alliance. Qui donc, accord global avec accord alliance, vient retirer le pays dans le bouillie vidé. Lui prend et surtout éviter de tomber dans le katoumoube politique avant et après 7 février 2022. Diriger CPVA, c'est pour sa commission à l'instant, vient demander pour tout patriote, pour tout groupe politique et société civile qui fait proposition sous cette crise ou accord pour continuer à protocoler avec lui. Dans la proposition conseil gouvernement, commission à l'instant proposée à Nabjouen, nous représentons accord en septembre. Yon représentant Accor Alliance, yon représentant Accor Montana, yon représentant Accor Pen, yon représentant Accor Sesoc, yon représentant Accor Poularia, yon représentant Accor Soleil Levé,
yon représentant accord final de Vertière, yon représentant accord marché pour la vie, yon représentant la jeunesse, yon représentant la presse. C'est comme ça conseil gouvernement accord alliance là, c'est comme ça yon proposé. Accord alliance là mandé pour toute initiateur l'autre accord politique yo. Pour yon travail à tête reposée mais rapide. Même Jean nous wè accord Montano avec accord politique globale là, accord CESOC là fait pour yon désigner pressé yon représentant dans conseil gouvernement ça. L'étape pi important pour ça ta fait en 31 décembre 2021. Conseil national gouvernement ça qui pral prend quelques bons gens décision en faveur pays a mais surtout en faveur peuple là. Tant coup pour réaliser qu'aucune chaîne rêve commission alliance là a continuer chita à chaque branche sur accord pour planifier avenir pays a pendant n'a monter ensemble yon commission mixte qui pral travail pour réaliser pacifiquement transition parce que il est le temps pour joindre un soulagement pas gagne un monde qui pour dire qu'elle pas tant décrit peuple haïtien qu'après li bouquet li pas capable encore commission alliance a bay tête li toute quantité activité tant qu'on continuer rencontrer l'autre accord yo et n'a fait ça chaque fois n'a présenté la presse évolution ou bien avancer travail nous yo les n'a gardé danger qui en face nation les n'a gardé comment constitution pays a tracé pour nation fonctionner li pas constitutionnel pour pays a diriger en exécutif à une seule tête pays a doit gagner un président avec un premier ministre selon article 133 maman loi pays a qui donc un président avec un premier ministre vite présidentiel ça vient aggraver situation pays a puis plus côté que toute institution républicaine yo qui était déjà mal fonctionné il y a plus difficulté et pour répondre à vocation yo ça vient faire façon constitution pays a été prévoir pour remplacer président république là pas qu'à appliquer jodi a qui donc seule voie que pays a gagné c'est accepter un accord global pour tout acteur politique yo la donne côté que pour nous joindre un consensus largement large pour permettre ce pays éviter Katchoumbe Captanni et permettre lui reprendre voie constitutionnelle là à partir de 7 février 2023. Dans le contexte ça, je vous dis à quoi l'instant a demandé tout l'autre accord que l'autre groupe de bonne volonté de l'autre équipe politique de bonne volonté était déjà tracé pour rejoindre à quoi pour nous joindre le consensus nécessaire pour éviter pays à tomber dans sa capretanni dans chaos politique capretanni après 7 février 2022. Bien on profiter dire bonne fête Noël à tout l'autre année tout neuf cap poché à tout employé et à tout peuple haïtien à la ronde bader. Dans ce sens maintenant tout a profiter saluer l'arrivée nouveau DG EDH là monsieur Jean-Yvon Morose qui c'est un technicien, petite boîte là, qui c'est un rassembleur, j'en ai toujours appelé on ça, chaque jour bon Dieu mette. Après, gros décision ça, gouvernement Ariel Henry a fin prend, n'a continué à demander bon gens accompagnement, bon côté l'État, pour boîte là qui arrive, remonter pente li, et puis reprendre l'escamp figil. Parce que, directeur général là, vient joindre une compagnie complètement crasée, qui donc, si le gouvernement décide vraiment de supporter la direction, à capter tout employé et des achats privés sortis dans tout ce qui est lié aujourd'hui. Dans ce sens, on a demandé à nouveau directeur général, M. Jean-Yvon Morose, pour ne pas perdre du temps pour monter un nouveau conseil de direction, parce que nous-mêmes dans le syndicat, c'est bon genre résultat, on attend. On a continué pour demander à nouveau directeur général, là, pour faire un inventaire. Pressé sur ensemble bien matériel compagnie. Bureau exécutif national là a continué pour demander directeur Morose pour faire un passer main dans contrat assurance là qu'a tout visé employé yo. Il y a une série monde qui a parlé dans non festred. C'est seulement monde qui fait partie comité qui a habilité parler dans non festred parce que
selon statut organisation, moun ki pa travail EDH pa capable porte parole EDH. Le syndicat des greffiers d'Haïti sig li pa obtempéré avec question arrêt de travail là, parce que il y a trop moun ki nan prison justiciable kabini qui besoin service, et nous non fin d'année nous connaît que justice ça fait presque 3 ans que nous pas travail, nous pas capable faire justiciable souffrir parce que yon greffier ta loué au ministre et que ministre là pas bien temps pour recevoir, nous pas capable faire peuple a souffrir, peut-être un greffier ta loué au ministre qui pas ca ouéli, nous voulons que travail by service au niveau de palais de justice et au niveau de 18 juridictions dans le pays pour que moun yo capable sortir dans prison, moun qui dans détention préventive prolongée pour capable sortir dans prison. Nous voyons que le ministre de justice qui fait monter là, son ministre qui fait monter, font balle. Assez de temps, latitude pour le travail, et nous voulons commencer le travail avec le parquet, avec le doyen Bernard Saint-Ville, à travers toute juridiction dans le pays, nous voulons que le ministre commence le travail. Nous voulons balle latitude pour le travail. Nous voulons dire que matin aîné, s'il y a un bagage, il a besoin de régler avec le ministère, par personnel, il met aller, mais puis il aller pour parler au nom des greffiers, des huissiers et des commis parquets. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous là, nous faisons pour le travail, nous travaillons, nous disons ministre, tête frette, mais les mettre revendication, nous, pour revendication, pour le prendre en compte, mais nous pas en question arrêt de travail parce que nous n'en fait d'année. Nous voulons que pour justice bio avec les gens qui sont en prison, joignent satisfaction pour être capable de relâcher dans la prison. N'a pas appuyé. Commissaire du gouvernement, ensemble avec le doyen, avec le ministre, pour nous capables de faire des séries de séances correctionnelles pour nous capables de permettre que les gens qui pour sortir ont sorti. C'est pas grève, c'est un arrêt de travail, c'est matin et nez qui a réglé un bagage personnel comme il a l'habitude de le faire au niveau du ministère de la Justice, que le ministre va être tout simplement pour loin, pour le rencontrer. Mais nous-mêmes, au niveau du syndicat des greffiers d'Haïti, nous disons non, nous parlons de question arrêt de travail, nous travaillons pour permettre que justice a bien joué une justice. C'est dans la radio comme d'habitude, parce que les messieurs ont besoin de régler l'affaire, c'est dans la radio comme d'habitude que ont lancé, mais nous n'avons pas été consultés en cette matière. Nous travaillons, nous dit le ministre, et continuer et dans la paix pour permettre que justice a bien joué une justice. Mais nous-mêmes, nous travaillons au niveau du c'est le contraire, le ministre lui-même dit déjà, relez-nous, je dis en lui nous par rapport avec bataille à bataille, de capable de congeler prison, non, assise criminelle ou bien correctionnel spécial, qui a commencé par tout presque, qui a plusieurs autres juridictions dans le pays, à tant Tigouave, et campé jeudi à Miagouane, avec plusieurs de l'autre côté à travers le pays, lui dit nous qu'il y a un gars du pays, hein, pour nous mettre devant, si c'est pour nous, ça y est, qui semblait avec nous, qui n'a prison, en son façon, pour nous voir comment, que nous capables de parler avec, avec situation, ça. Avec travail, ça lui commence jeudi à la fin du jeudi, mais par rapport avec sensibiliser que le ministre sensibilise nous avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, plus réagit, tirer nous plusieurs fois pour nous voir comment nous sommes capables. Celle égale jeudi, arrêt de travail, à respecter surtout le territoire national, mais à partir de demain, si tu veux, nous avons des filles, même capable de travail, juste après rencontre avec le ministre, et puis nous avons dit qui ça n'a fait. Nous croyons que si nous pas, si pas dans quel terrain d'entendement qui trouvait que le ministre sensible a montré nous qu'il n'y a pas de volonté pour lui aider à cause à entrer en application, que nous avons payé pour nous entrer dans la grève, mais pendant que nous passions avec le ministre de Messie, c'est rien qui nous attend avec le défis, ou même nous capables de travail, ou pour le travail des deux messieurs. Revendication, nous, le principal, c'est mettre l'accord 2017 là en application, et dans l'accord ça, l'idée principale revendication là-dedans, qui ça, l'idée comme revendication, c'est, point 1 dans l'accord 2017 là, côté que l'État promet nous qu'il n'y a pas adopté ce sacrifié, il était promet nous depuis un exercice fiscal en 2017-2018, il n'y a pas greffé au 4DB, il promet nous qu'il y a une augmentation salariale graduelle jusqu'à ce que nous sommes capables de la hauteur de 75 ou de 80% par rapport avec collaborateurs immédiats, nous, qui sont les magistrats. Et ils ont promettre nous tout qu'il y a nommé greffier comme l'école magistrature dans la première promotion 2017. Là. Et ils ont promettre nous tout qu'il y a pas greffier promotion pour nous les postes qui vacants dans le système tel que les greffiers capables de faire une promotion pour nous venir ici. Commissaire gouvernement ou bien l'autre grade toujours dans le système judiciaire là, et ceci parmi eux c'est tout à cause à eux, c'est tout point ça qui fait partie d'accord et qui est toujours été pour mettre la nommer greffier en chef dans tout tribunal de paix parce que seulement trois greffiers en chef dans le tribunal de paix, pourtant nous connaissons ces greffiers qui administrateurs greffiers et tout
général de Pernambéa là qui est en cours savant, pas qu'une personne qui connaît qui s'est passé dans le cahier, dans le registre, dans le record, fait constat, et nous-mêmes nous souhaitons que pour gagner des principes qui mettent dans le tribunal de Pernambéa, les principes ne sont pas capables d'établir sans que pas de biofi en chef là d'ailleurs. C'est quelques points parmi tout le monde qui gagne dans l'accord 2017 là qui nous bat là. Nous, le travail, c'est un signal à nouveau par le ministère. Là, c'est toutefois que lui montrer que l'idée de nouvelle foi ou de pas une volonté pour satisfaire nous, pour nous capables de tout rentrer dans la grève après ça, et que avec travail ça l'est épuisé. Si toutefois que pas gagné qui dit concret dans un contenu avec le ministre, et puis dans le mois de janvier, on a pu se rentrer dans la grève limitée, mais c'est toujours l'idée pour nous demander avec l'autorité pour nous respecter l'accord que nous avons contre-signé avec l'État le jour qui est 3 novembre 2017. Là. Mais c'est de messieurs, de mettre en contact avec nous. Si on a pris en contact avec les deux messieurs, les greffiers capables de travailler, le temps de résultat, l'encontre-là, si pas grand-chose qui est rencontre-là, on va nous dire ici, après le dernier jour, arrêter de travailler là, et puis après ça, on a pris arrêter de travailler là, fini, et puis on a pris le temps, n'importe jour, dans le mois de janvier, et puis là, ça n'a pas capable de tourner dans la grève, mais tout ça dépend avec volonté ministre, avec comportement ministre, gain avec nous, dans rencontre, mais si tu veux. Les gains arrêt de travail, ils ont arrêt de travail qui a observé, depuis arrêt de travail là, fini, il est fini. Après ça, si nous apprenons dans la grève, on a pris le ministère encore pour nous dire que nous apprenons dans la grève telle date. Et c'est pas dans la grève là ou capable de prendre grève, mais dans l'arrêt de travail là, c'est pas en question de grève, l'arrêt de travail là fini, il est fini, et Galkounia n'a pas tant après rencontre avec le ministre là, et comportement ministre là gagné, et laisse à nous-mêmes l'association, n'a pas réussi encore pour nous, qui ça nous est capable de faire ensemble, et qui ça nous capable d'adopter, pour nous exiger avec autorité, pour nous répondre avec toute revendication nous gagne qui prend dans des vins. Effectivement, demain matin, c'est vrai que je suis capable de prendre travail, surtout, mais c'est plus nous gagnons pour ça, non, pour question de correctionnel spécial qu'a fait, et avec garantie que ministre là-bas, nous, avec promesse que le ministre a déjà fait nous. Et l'Apchita avec nous pour nous discuter autour des points, tout point qui n'ont encore là, que de messieurs et accord à l'Apchita avec le ministre, avec toutes les revendications nous gagnons, pour nous voir comment ça va aller. Mais nous-mêmes, nous avons souhaité que tout le bagage passe bien, parce que nous-mêmes, l'Association nationale des griffes, nous pas souhaité pour qu'il y ait un système là. Dans le cadre de cette coopération, le Japon avait déjà fourni à la police nationale une quantité de matériel pour la sécurité des frontières. Entre 2010 et 2011. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour la PNH de compter encore une fois sur ce partenariat. Et c'est justement dans ce cadre que nous recevons ce matin 3 ambulances, 2 camions pompiers, un petit camion. Ces matériels seront utilisés au bénéfice de la direction médical de la police et à la direction de l'administration pénitentiaire au profit des prisons et au corps des pompiers. Encore une fois, nous disons merci à l'ambassade pour son support et nous continuerons à compter sur votre avis, monsieur l'ambassadeur, en vue d'aider le pays dans la mise en œuvre d'un climat de paix et de sécurité. Au nom du gouvernement du Japon et du peuple japonais, et également en mon nom propre, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances aux familles victimes de l'incendie meurtrier survenu le mardi 14 décembre dernier au Cap-Haïtien. Devant cette triste tragédie, le Japon exprime une nouvelle fois sa totale solidarité avec le peuple haïtien. C'est dans ce même esprit de solidarité continue entre nos deux peuples que je procède aujourd'hui à la cérémonie de remise officielle du projet dotation en équipement des centres ambulancières et des services d'incendie de la police nationale d'Haïti, financé par le Japon à hauteur de $171,000. Réalisé dans le cadre du programme de coopération japonaise intitulé Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, qui vise à soutenir la réalisation de projets à impact rapide sur le développement socio-économique du pays. Ce projet a permis de doter les services d'incendie et les centres ambulanciers de la PNH de
3 camions de pompiers, 3 voitures d'ambulance et d'un camion de transport d'équipement. Je suis certain que les équipements remis aujourd'hui vont contribuer à la réduction des pertes de vie humaine liées aux différentes catastrophes en permettant aux sapeurs-pompiers et ambulanciers d'améliorer la qualité de leur intervention au niveau des différentes régions du pays et particulièrement de la zone métropolitaine. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer et encourager l'engagement continu et la détermination ferme de tous les membres de différents centres ambulanciers et des services d'incendie qui, malgré les conditions difficiles, contribuent chaque jour à sauver de précieuses vies. D'autre côté, il est nécessaire pour moi de présenter ici la très grande préoccupation du Japon face à la détérioration et l'aggravation considérable des conditions de sécurité en Haïti. Il est inadmissible que des communautés et citoyens paisibles deviennent des proies faciles des ravisseurs et bandes armées. Nous condamnons fermement ces pratiques inhumaines et dégradantes. Cette situation risque d'avoir de sérieuses répercussions négatives sur tous les leviers de la vie économique et sociopolitique en Haïti. Dans ce contexte, nous encourageons vivement tous les acteurs concernés à adopter des mesures efficaces en vue de garantir la jouissance paisible des droits économiques, sociaux et politiques à tous les citoyens. Et pour cela, nous continuerons de concert avec d'autres partenaires internationaux à appuyer la police nationale d'Haïti à travers nos différents volets de coopération, notamment le volet social, qui fait partie du schéma global de notre coopération axée sur l'accès à la santé, à l'éducation et à la sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais rappeler que cette collaboration témoigne une nouvelle fois de la grande amitié et de la solidarité fraternelle du peuple japonais avec le peuple haïtien. L'amitié haïtiano-japonaise vieille de plus de 90 ans. Avec bien entendu un grand creux au début. S'est raffermi de plus en plus au cours des années. La cérémonie du jour est le témoignage concret de la sincérité de cette relation en faveur de laquelle je formule au nom du gouvernement le vœu ardent de pérennité. Le choix de cette donation que le gouvernement a grand honneur de recevoir pour le compte de l'institution policière prouve que les autorités japonaises sont à l'écoute des besoins de sa vieille amie, Haïti. Des ambulances pour venir au secours de ceux dont l'état de santé requiert une intervention médicale d'urgence répond de la nécessité de disposer de matériel adéquat au profit des policiers souvent victimes de tragédies regrettables. Quant aux camions de pompiers, leur utilité n'est pas à démontrer car tout état de cause, il n'y en aura jamais suffisamment.
face à la puissance destructive du feu, il faut des équipements capables valablement non seulement de circonscrire les dégâts, mais également de sauver des vies et des biens à travers tout le pays. Grâce à ce geste généreux, la police nationale d'Haïti va aussi disposer de matériel pouvant lui permettre de transporter au besoin facilement des équipements d'un point à un autre. Le chef du gouvernement haïtien, Son Excellence Monsieur Ariel Henry, vous prie, Monsieur l'ambassadeur, d'exprimer toute sa gratitude au nom du peuple haïtien au Premier ministre Fumio Kishida, en appréciation de la générosité de son gouvernement à l'égard du peuple haïtien. Il arrive cependant que ces matériels exigent un entretien au cours ou des réparations spécialisées. Il n'est pas évident que les pièces de rechange soient disponibles sur le marché local. Nous venons ici aujourd'hui au nom du ministre Nesli Maniga, que nous représentons là, puisque la communauté et élèves, professeurs et direction de l'école là, voulaient retourner la caillou. Et en tant que ministère, c'est un accompagnement qui est nécessaire pour retourner. Et si ça fait présence, nous venons là, venons garder, avisons-nous qui ça te manque, qui est qui accompagnement pour nous bailler, pour que nous retournions ici, réprimplation dans l'ICA. Après 3 ans, nous pas dans le local, nous, 2019-2020, et c'est avec pile enthousiasme que nous retournons ici pour nous camper, pour nous travailler. Parce que nous avons 3 ans, c'est dans 4 espaces où nous avons toujours à faire va-et-vient. République du Canada, Zidon Boiron, Vigine Sampeur, et ici à tout, nous n'avons pas de chambre relâchée parce que il y a 2-3 professeurs qui étaient toujours campés ensemble avec nous pour que l'espace-là soit toujours accueillant. C'est la raison pour laquelle, jodia, notable, sans, et pas moi-même, ce n'est pas professeur, quoi pas nous, pas capable de permettre que. Nous camper là aujourd'hui. Élèves sont potomitants dans l'espace là. Notables zones, parents et élèves qui sont dans la communauté, ça permet que nous ayons plus de force pour que les ministres nous demandent, avec slogan Salvinien, l'école pas qu'attendre dans les quartiers marginalisés, et nous-mêmes nous avons saisi l'opportunité de demander pour lisser la saline parce qu'il y a des réformes. Parce que si nous venons là, il n'y a pas de consens. Il y a un pile impact. Et nous, ouais, je vous dis à la, il y a peinturé et il y a en route pour que barrière yo réparée et toilette yo refaite. Et nous comptons encore dans nos communautés, dans nos moun la saline. Lycée après tourné, malgré nous connaissons son calme qui est relativement apparent, mais nous-mêmes nous disons que lycée après tourné, parce que nous stigmatisons Timounio trop. La caille, c'est la caille, il faut que nous retournions au bécaille. Songez, année académique 2018-2019. Circonstances là te fait quitter zone là. Depuis là ça n'a pas humiliation. Mais grâce à support et accompagnement du Fritz Dorminville qui pas dormi la nuit pour la journée pour t'aider à gérer ça. Après en pile réflexion en pile de me tourner dans le local moi pour que me travaille, mais avant tout m'a demandé des conditions faut qu'il réunit. Ma besoin environnement stable et propre pour que nous-mêmes nous venions là, pour que nous à l'aise dans le local nous. Et pour que nous ayons un retour qui durable, pour que nous ne soyons pas dans la même situation nous t'es. Nous accompagnons l'inspecteur général Louis Fritz Dorminville, qui est dans le cadre ministère là, pour que l'élève dans la mission police communautaire éducative là, c'est accompagner l'élève dans tout ça à faire. Donc c'était une initiative vraiment qui était vraiment louable. Le ministre Maniga a pris une décision côté que, avec un ensemble de pareils directeurs lycéens qui permettent que aujourd'hui un grand événement soit réalisé. Donc élèves, ça, nous avons gardé là, ce sont des élèves vraiment qui étaient délocalisés, ils étaient dans 2 lycées apparemment. Donc aujourd'hui, ils ont tout manifesté volonté, ils ont voulu retourner la caille, c'est ça que vous faites aujourd'hui. Donc Edupol, sans faille, a campé ensemble avec eux, accompagné eux.
pour tout pour que nous avons une bonne réussite dans l'année scolaire là. Donc nous pas de problème, nous estimons que c'est une très bonne initiative. Directeur Amo, vraiment nous féliciter pour agir. Élèves, parents qui consentit vraiment, vous avez dépassé en pile comme un gros debout qui était fait vraiment l'heure pour aller dans l'école. Donc jeudi, lycée national de la Saline, retournez la Cali pour de bon et du bon l'accompagner juste en bout pour nous boucler l'année scolaire là. Après, pour y monter, pour y descendre, dans chaque école, quand nous avons besoin d'un élève, je veux dire, nous presque satisfaits. Pour me représenter parents, nous satisfaits. Parce que il y a quelques bagailles, là pour y monter, pour y descendre, il y a quelques petits bagailles au fait, c'est pas là au fait, c'est là où tu prends l'élève. Mais je dis à là, si nous la caille nous, nous avons senti nous plus à l'aise. Excellence, l'estime Maniga. Mon cher, nous satisfaisons en pile excellence. Oui, nous satisfaisons. Parce qu'après plusieurs réunions, nous faisons avec vous, on te dit, vous représentons là, ou vous représentons, et bientôt, c'est vous-même qui avez besoin. Ça n'a besoin, si représentant éducation vient là, n'a besoin de représentant pour l'hôpital là. Parce que l'hôpital là était fermé là, et ministre santé, nous avons aimé là. L'hôpital là fermé là depuis combien de temps? Nous avons satisfait avec beaucoup de gens là, nous avons un petit malade là, pour nous sortir avec lui là-bas, minuit, nous avons un père sorti avec lui. Mais nous avons remis pour le ministre tout, pour avoir un représentant là, pour nous essayer de satisfaire parce que ça. Non, président commission municipale de la Croix des Bouquets, monsieur Jean Wesnel Edwin Perville, nous prenons la parole dans le cadre de la cérémonie ça, pour que nous soyons capables d'ouvrir la commune là, by Dinepa. Dans le cadre du projet de l'OSA. C'est un projet qui, depuis environ 5 ans, c'est la communauté à Tapton, dans pile montée et descend, dans pile parle en pile pour arriver à grand jour ça. Mais moi, je crois que Canaan sent-il fier pour l'eau qui pourrait couler dans le robinet Kaye, mon Canaan qui était conduit dans le temps, c'était un désert. Et comme projet ça, il n'est pas seulement arrêté sous seulement station ça à côté de Nia Cyber, il vient pour l'étendre sur tout le reste du quartier Canaran. Et c'est comme ça qu'on attend la collaboration avec les partenaires USAID qui te permettent que le travail soit fait. Dans le premier temps, Global Communities, Croix Rouge américaine et tout l'autre partenaire qui t'avait lieu. Pour arriver à DAI et je dis pour nous faire passation à Dinepa et au repas quoi des bouquets qui après contrôle travail ça nous disons bienvenue Canaan content en pile et n'attend plus dans main encore avec un pile contentement que nous saluons travail ça qui a fait en dans en communauté hein. C'est un bon travail pour communauté ça. Et moi-même, moi t'ai toujours dit lui, et non Canaran, les parents non jouettes, on dit c'est là où coule le lait et le miel. Et le projet ça a montré nous vraiment, et dans pile bagaille qu'a fait dans la communauté. Et dans non communauté cananéenne, nous saluer chaque monde qui t'a fait effort pour permettre que nous sommes capables de vivre dans le niveau ça. M'a dit tout le monde merci. Commencer depuis dans Piro, l'État arrivé dans le dernier monde qui te baille Pierre de Touche pour permettre que le projet soit capable de réaliser. Nous remercions non tout le monde canarien qui n'a pas de chance pour capable la matin. N'a profité occasion tout pour nous dire tout. Nous t'a souhaité que c'est ok, son belle cérémonie, son belle forme. Nous avons souhaité que ce n'est pas seulement forme, non, mais faut que ça les continuités qui doivent être faites et pour que le projet soit capable toujours être en vie en dans la communauté canadienne. Merci. Le nous prend que Canaan, qui est censé, à partir de 2010, quand il a commencé là, et que nous habitons ces deux voies, nous disons pas, pour nous censer que bah, de l'eau. Système ça, son système qui est forage là. Et à plus de 4 km pour nous voir nos réservoirs et à partir du réservoir ça, que pour nous alimenter toute population. Déjà, nous commençons à faire branchement. Nous commençons à passer ligne. Je vais quitter parti ça pour le directeur général là, pour qu'il parle de fiches techniques là, pour nous voir que quantité de travail qui fait. Donc, ce travail a une pile importance pour nous dîner pas. Et
nous ne sommes pas oubliés. Parler de collaboration de AI qui fait travail ça avec nous. Travail ça était là. Nous améliorer et que c'est une plus belle sorte de station de pompage que nous gagnons dans pleine. Donc, tout tuyau, c'est au classe tuyau qui prend le poté de l'eau. Donc, encore une fois, Abdou, ça que vous présentez, c'est nous-mêmes dans le pas pour qu'ils montent l'estomac nous. Pour nous, ça, première partie du travail, ça fait. Et nous parlons de bataille. La direction générale de la Dîner parle de bataille avec au repas pour nous avancer plus. Ça a quelques mois pour me dire plus qu'un an, nous te venons là, nous te venons constater phase opérationnelle station de pompage cyber à côté de nous là. Mais ligne de refoulement, j'ai directeur Ostidi là, qui sortit là, dans localité cyber, pour arriver dans le monde canarin, eh bien, ligne de refoulement, ça a été un problème. Eh bien, avec accompagnement USAID à hauteur de 2 millions de dollars, eh bien, nous non seulement refait ligne de refoulement de 4 km pour arriver dans le réservoir de 500 mètres cubes ou bien 132 000 gallons dans Canaran 5, mais tout, nous arrivons à poser plus que 3,7 km de ligne de distribution pour nous faire en sorte que ensemble de bassins que nous répertorions qui au nombre de 200, mais pour le moment qui 20 qui interconnectés entre eux, pour nous faire alimenter. Mais tout, sous 245 branchements ou bien compteurs, il y a 104 déjà posés. Ça veut dire que nous-mêmes qui prenons consommer de l'eau ou bien qui consommer de l'eau, nous avons tout intérêt à l'ambureau du Népal pour nous faire en sorte que eh bien, nous inscrits eh bien, pour de l'eau capable d'arriver le plus près possible côté nous. Pour nous capables d'avoir une idée de station pompage à côté de nous, forage là a une capacité de 52,70 litres seconde. Ça veut dire qu'environ 14 gallons chaque seconde. De pour passer groupe électrogène ça, 14 gallons. Soit passer groupe électrogène là, avec deux tanks gaz ça que nous gagnons, qui totalisent 2500 gallons, pendant plage d'horaire de 8 heures de temps, eh bien, nous sommes capables de prendre 402 000 gallons chaque 8 heures de temps pour nous alimenter Canard. Un réservoir de 500 mètres cubes, ça veut dire 132 000 gallons. Donc, on en mesure pour être capable de remplir le réservoir ça au moins deux fois, pour ne pas dire trois fois chaque jour. Toutes les fois que le carburant est disponible, toutes les fois que ou même consommateur, consommatrice, ou bail contribution, c'est graisse cochon pour cuit cochon. Mais femme dit nous, nous avons préoccupation, nous avons demandé pour collectivité territoriale, le mairie accompagné du NEPA. Dans n'importe pays, avant ou habiter, avant ou construire, c'est l'infrastructure de base qui existait déjà. L'école, santé, du NEPA passé tuyau. Pour de l'eau passer normalement et puis dîner pas passer l'autre tuyau pour ça nous les faciliter assainissement collectif. Mais nous connaissons l'histoire Canaran. Canaran, ce tremblement de terre 2010 là, vient de naissance à lui-même. Qu'on y a nous-mêmes, nous parlons de Mounio. Alors que c'est nous qui étions là avant, dans le cadre projet de lotissement, eh bien, pour Mounio venir après. C'est ça qui fait que. Ou qu'arrive dans une situation côté que dîner pas pas cabaye. Dîner pas cabaye. Service l'argent ta remet baili. Parce que nous non situation d'habitat dispersé. Ou moun à 3 km, 10 moun à 3 km et puis li di dîner pas faut que dîner pas baille de l'eau. Et dîner pas dépend à 98% de
financement international. Et quand nous parlons de financement international, nous sommes assujettis aux procédures politiques des bailleurs. Ça veut dire que c'est lui pour avoir autorisation, pourquoi la dépenser. C'est qu'on s'allie. Donc, en clair, comme c'est casse, c'est dans la situation ça a que nous sommes obligés de conjuguer avec bailleurs. Nous avons un problème entre nous, mais nous résoudons le problème là à l'interne. Et nous avons une approche pour nous avancer. Et c'est l'occasion ça pour me saluer non seulement USAID, mais pour me saluer Banque Inter-Américaine de Développement, la BID, pour me saluer Banque Mondiale, pour me saluer Coopération Suisse. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez cap tant des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.